Yo les potes, c'est NCU, on se retrouve sur un nouveau jeu. Bon, le jeu n'est pas nouveau, mais c'est la première fois que je le teste. C'est Brawlhalla. Alors, de base, c'est un jeu que j'ai critiqué, je disais que c'était nul, etc. Mais au final, j'ai testé un petit peu et c'était pas mal. Alors, j'ai pas fait de vidéo la première fois que je l'ai testé parce que c'était hier, il était 4h du mat. Et un peu la flemme de faire une vidéo à 4h du matin. Du coup, je vais y rejouer aujourd'hui. Du coup, pourquoi je l'ai testé? Déjà, c'est un jeu gratuit. Et en plus, il ressemble beaucoup à Multiversus, donc j'ai fait deux vidéos sur Multiversus. Et Multiversus, j'ai kiffé, c'est un jeu de plateforme comme Smash Bros. Donc voilà, let's go. D'ailleurs, moi ce que je fais à chaque fois les gars que je suis sur un nouveau jeu, à chaque fois je regarde partout. C'est-à-dire que là vous voyez en haut à droite tous les paramètres, vous voyez ici tous les modes. Et ben hier ce que j'ai fait c'est que j'ai cliqué partout, j'ai changé tous les paramètres, j'ai regardé partout. C'est ce que je fais à chaque fois quand je lance un jeu. Et puis comme ça, tu vois, je découvre un petit peu tout ce qui se passe. Et en allant dans la boutique, j'étais dans les légendes. Enfin, en réalité, j'ai regardé partout, tu vois. J'ai regardé partout. Et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'ils avaient fait des collabs de malades. Avec Finn et Jake, avec je sais pas quoi, Hellboy, John Cena, des Catchers, des Steven Universe. Avec Poe, avec Kung Fu Panda. Et... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué directement. Faut savoir que je n'avais jamais joué au jeu. Même pas juste le tutoriel. Jamais j'ai joué. Et j'ai acheté les 5 choses Benten. Sans même toucher le jeu une seule fois. Comme quoi je suis un gros pigeon. Ça se trouve le jeu il m'aurait pas plu et j'ai quand même acheté. Du coup j'ai acheté Quad, Incassable et Inferno. En animation j'ai Vilgax. Et en podium j'ai l'Omnitrix. Pourquoi vous allez me dire j'ai acheté ça? C'est parce que Benten c'est mon dessin animé d'enfance préféré. Voilà tout simplement. Du coup, maintenant que je vous ai montré mes petits achats, on va partir en game. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent bien au jeu, dites-moi si dans quel mode de jeu pour jouer contre des noobs. Parce que j'en ai aucune idée. Et à chaque fois que je lance des games, je tombe contre des mecs chauds. En fait, en 1v1, en amical, j'ai l'impression, comme c'est pas en classé, il y a des mecs chauds des fois, ça dépend en fait, c'est aléatoire. Et en classé, j'ai l'impression que c'est en fonction de ton niveau. Sauf que je tombe aussi contre des mecs forts. Genre ça se trouve il y a des mecs forts qui sont restés bronze, j'en sais rien. Du coup on va tester le classé. Dites-moi aussi qu'est-ce que ça veut dire les personnages. Pourquoi il y en a que j'ai pas débloqué? Pourquoi il y en a que j'ai débloqué? Pourquoi il y a des personnages où il y a un point d'interrogation, d'exclamation? Regardez en haut, il y a des points d'exclamation. Et elle par exemple, Amber, il n'y a pas de point d'exclamation. Oh, je confonds les points. Bref, en tous les cas moi je joue aucun personnage. Je fais mes games que avec lui. En vert, hop, parfait. Du coup, c'est parti. Let's go. Donc ça, c'est le chargement, j'ai l'impression. Donc j'imagine que ça, c'est avec des bots. Donc là, on est contre Nyx. Ce personnage, je l'aime pas. C'est un des personnages... non, celui qui me saoule le plus, c'est l'abeille, là. Oh, let's go! Ils nous ont mis la map de Ben 10. Ok. Je vais essayer de me focus. Non. Bon les gars, je vais essayer de me focus mais c'est compliqué. Mais en réalité, tous ceux qui ont des skins, ça veut dire qu'ils sont forts, non? Pour moi, tous ceux qui ont des skins, c'est des mecs chauds. Vu que de base, t'as pas de skin dans le jeu. Je pense que le poteau il fait que de changer d'arme. Non, il est trop bien rattrapé. Bon là il est mort. Vous avez vu Vilgax à droite? Trop BG. Ok. Ouah le bâtard! Oh il m'a expulsé de ouf là. Non par contre c'est un fils de pute. Les gens qui font ça. Frérot, il me laisse pas d'armes. Vous avez vu ou pas? Depuis tout à l'heure, il prend toutes les armes du jeu. J'ai juré, c'est un gros chien.
En vrai, dites-moi si je suis chaud ou pas pour mon deuxième jour. Deuxième jour que je joue. Oh là là, magnifique. Là, il est mort. Ah, il est pas mort, fils de chien. Oh, j'avais fait un truc de malade. En vrai, moi, comme arme, je préfère l'autre. Donc, je vais prendre l'autre. Hop, hop, t'as plus d'armes, moi. Non, en vrai, il est fort quand même, lui. Non, je peux pas mourir. Ouais, je sens un chien. Oh, let's go! Magnifique. Mais wesh! J'aurais pas dû prendre la corne de brume. Je suis obligé de gagner là. Juste pour vous les gars. En fait il lance tout le temps ses armes. Oh j'ai fait quad. Non pas, pas quad. Lui là. C'est un gros chien, la vie de ma mère. Bâtard. Bam. De ouf. Let's go! Putain, c'était chaud. Du coup, le podium, regardez, c'est maintenant. Vous voyez, y a l'Omnitrix en podium. Hop, GG, mec. Du coup, on peut voir un peu le score. KO, chute, accident, dégâts infligés, dégâts subis. Ok, classement Elo. Ok, il avait plus de points que moi dans le classement. Mais j'ai gagné. Ok, bah let's go. Du coup, je sais pas c'est quoi ce classement là. Est-ce que c'est bien 1140 points? Bon, j'imagine que c'est nul, mais on sait jamais. Hop. Et du coup, on débloque des trucs quand on monte le personnage de niveau. Ok, bah c'est stylé. Après, les deux là, je les utilise pas trop. Celui-là, à la limite... pas mal, mais en fait il lance des projectiles. Et Inferno je l'aime pas parce que en fait il tire des trucs. Donc voilà. Après on a qui? Lui je l'aime pas du tout les gars. Lui bof. Lui je suis... Ah si, je crois que je suis tombé une fois contre lui. Lance-roquette de ouf, il est trop chiant. La lance elle est trop chiante. Lui il est chiant, on l'a vu là. Lui je sais pas, je l'ai pas eu. Lui je l'ai pas eu. Elle est chiante, elle spawn un loup-garou frérot. Lui ça va. Et lui, ça va. Du coup, voilà. Hop, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez plein de tutos, plein de tips, à me donner des trucs, je sais pas, expliquez-moi tout en commentaire. Il y a plein de choses que je sais pas. Et sur ce, ciao les gars!